Cet homme était un père de famille sain d'esprit. Et le YouTube game a ruiné sa vie. Sachez que je n'assume pas du tout les séquences du début de cette vidéo. Et en aucun cas, une drogue n'a été consommée avant la réalisation de cette vidéo. Et bien évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 du mois de septembre des applications sur Android. On va commencer par la première application qui s'appelle Pixomatic. C'est tout simple et bête, c'est une application qui vous aidera à gérer les montages de vos photos. Voilà, c'est tout simple, tout bête. Elle est très bien faite, sincèrement, on a la possibilité de découper, d'affiner, d'ajouter du flou, de superposer des photos par exemple. Ça peut être réellement très très sympa. Et je vous cache pas que j'ai plutôt aimé parce que je la trouve super simple d'utilisation. La deuxième application s'appelle Horizon. Comme vous pouvez voir, donc on a ce petit carré qui va se former et qui va garder uniquement la partie du milieu du téléphone. Voilà, je vais vous prendre deux petites vidéos, comme ça vous pouvez voir quelle sera la différence entre la première et la deuxième. Donc ça veut dire comme ça le smartphone sera toujours en mode portrait, donc ça sera toujours plus agréable à regarder. On sait jamais, par exemple vous êtes en train de marcher, vous avez envie par exemple de passer votre smartphone de la verticale vers l'horizontale, ou plutôt l'inverse pardon. Donc à ce moment là l'application va cropper automatiquement. Voilà, désolé si vous voyez ma main, mais de toute façon comme j'ai déjà dit, je vous prendrai une petite vidéo, comme ça vous pouvez faire une petite différence entre l'application native et celle-ci, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est-à-dire dès qu'on passe le smartphone au mode horizontal, et ben à ce moment-là il va avoir le plein écran, mais dès qu'on le passe en mode vertical, et ben il va cropper dans l'image, donc on remarque un petit zoom, ce qui est tout à fait normal. Et c'est là où l'application fera vraiment un excellent travail, étant donné qu'elle va toujours suivre votre mouvement en gardant l'image en horizontal. Alors comme je l'ai dit au début de cette vidéo, cette application, je vais pas du tout, mais vraiment pas du tout l'assumer. Elle s'appelle FaceDance et vous allez entièrement comprendre. Ready? Qu'est-ce que je suis en train de foutre moi? Je vous avais dit que j'allais pas l'assumer. Bon, mon score, elle est de 3275. On sait jamais si vous allez tester cette application. Alors, dites-moi quel est votre score. Je suis sûr et certain que je suis archi nul. Bon, j'espère que ça vous a fait rire un petit peu, parce que moi, j'ai rigolé comme un taré. Maintenant, on va sauter un petit peu à la quatrième application qui s'appelle Yazzy. Alors, si vous vous rappelez, je vous ai déjà présenté une application un petit peu similaire qui était Fake Tweet. Alors, celle-ci est plus ou moins similaire. Elle regroupe plusieurs applications à la fois qui sont Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Donc, vous pouvez faire plein de discussions 100% fake, vous l'avez entièrement compris j'espère. Donc comme ça vous pouvez, je sais pas, vous faire un délire, faire par exemple des SMS version Apple, si vous voyez ce que je veux dire, des discussions entre un papa et une maman, voilà, créer des blagues, etc. Je vous laisse vous exprimer, vous avez entièrement la liberté de faire autant de trolls que vous voulez. Alors j'attends vos messages sur Twitter, et vous l'avez ici, ou ici, voilà, c'est par là. Vous l'avez ici mon Twitter, alors n'hésitez pas à me suivre, et je profite en même temps de passer ma petite pub. Vous avez aussi mon Instagram qui est ici, voilà. Alors cinquième application, c'est peut-être l'une de mes préférées, c'est ce que j'utilise actuellement, et vous l'avez sans doute remarqué à l'intro aussi. Donc c'est juste un fond d'écran animé, voilà, vous pouvez changer la couleur du fond et la couleur des knots qui bougent, voilà, donc ces trucs ronds et trucs carrés qui sont vraiment super agréables à l'œil. Bien sûr l'application est payante, et je pense aussi qu'il y a deux ou trois autres applications que je vais vous présenter qui sont payantes. Voilà, on peut pas tout le temps présenter des applications gratuites. Toon Zopper 4, à quoi ça sert cette application? Donc si vous aimez un petit peu personnaliser votre smartphone, avoir des widgets très très sympathiques, cette application est vraiment parfaite pour ça. Vous en avez deux, donc bien sûr la 5e et 6e application sont un petit peu de la même famille, donc les deux proposent deux styles totalement différents. Je vous les ai réunis dans cette vidéo, donc c'est la 5e et 6e application qui sont un petit peu équivalents, voilà. Mais vous avez des widgets
widgets qui sont totalement différents. Bien sûr, ce qui est sympa sur ces applications, c'est que vous avez aussi la possibilité d'avoir des fonds d'écran. Ce n'est pas uniquement juste créer, par exemple, vous-même vos widgets. Et je vois de plus en plus de personnes parmi vous qui aiment plutôt mes setups Android. Donc dites-le moi dans l'espace commentaire si vous voulez vraiment que je vous réalise une vidéo setup Android qui est dédiée uniquement à la personnalisation de votre smartphone. Comme vous l'avez sans doute remarqué, mon smartphone est entièrement personnalisé. J'ai quasiment 5 ou 6 docks. Donc comme ça, je peux changer selon l'humeur. Voilà. C'est toujours assez sympathique d'avoir plusieurs styles sur son smartphone. Donc si vous aimez bien sûr et vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, ça peut être très 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 long. Et si on atteint les 1000 pouces bleus dans cette vidéo, je vous promets que je vous ferai une longue vidéo, même si je dois la découper en 3 parties, pour vous expliquer comment réaliser un setup magnifique sur Android de A à Z, malgré que c'est hyper hyper compliqué. Et en parlant toujours de personnalisation, la 8ème application va sûrement vous faire plaisir. Icon Pack Studio vous permet de créer par vous-même votre propre style des icônes, donc c'est très sympa et original. Après, il faut savoir que cette application est gratuite, mais si vous souhaitez réellement débloquer tous les effets, etc., ça peut vous coûter un petit peu cher, mais je vous avoue que l'idée est très originale. Si vous souhaitez par exemple créer par vous-même vos propres icônes, comme vous pouvez voir ici, vous pouvez voir mon propre logo, voilà, qui sert à ouvrir le dock. Voilà, c'est très sympa. Donc, elle vous permet d'avoir vraiment plein de possibilités, etc. Elle est gratuite, encore une fois, vous pouvez toujours réessayer la version gratuite, vous faire une idée, voilà, et dites-moi ce que vous avez pensé aussi de cette application dans l'espace commentaire. Alors, 9ème application, c'est l'avant-dernière, c'est Screen Shoot Assistant. Alors, comme le nom l'indique, alors grâce à cette application, vous pouvez maintenant, par exemple, si vous avez un Samsung Galaxy S8 ou je ne sais pas, juste en faisant un long appui sur le bouton Home, et voilà, ça vous fait une capture d'écran. Vous avez bien sûr la possibilité de rogner, de faire une capture langue, voilà, donc c'est très original, très sympa, et surtout très rapide. Comme ça, on a pas à faire un dessin sur l'écran où on est obligé aussi de cliquer sur deux boutons en même temps. C'est un peu relou. Là, on a juste à faire un seul clic lent et ça marche nickel. Deuxième application, c'est Control Center. Voilà, vous l'avez compris, celui qu'on retrouve sur les iPhones sous iOS 11. Alors, c'est une application totalement gratuite et elle vous permet d'avoir un contrôle rapide sur vos applications. Si vous aimez pas forcément celui d'Android, vous ne trouvez pas assez design, alors vous avez bien sûr la possibilité de télécharger un qui imite à la perfection celui d'Apple. En faisant un appui lent, on a la possibilité d'augmenter ou de baisser le volume. Pardon, voilà, ce que je vois pas au retour d'écran. Donc c'est très intuitif, très très simple. L'application est gratuite. Voilà, si vous aimez ce type d'application, dites-le moi dans l'espace commentaire. Comme ça, peut-être que je vous présenterai d'autres avec le temps. Voilà, on a touché à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé, bien sûr, des applications que je vous ai présentées. Je vous le cache pas que j'ai eu beaucoup de mal pour vous faire cette vidéo parce que j'ai pas trouvé vraiment des applications super intéressantes ce mois-ci. J'espère que le mois prochain, on aura un peu plus. Donc, dites-moi, bien sûr, vos avis, vos retours. Et j'attends de vous 1000 likes, bien sûr, si vous voulez voir le setup Android, donc où je vous réaliserai une vidéo qui fera à peu près 45 minutes. Donc vous imaginez, avec ma qualité de travail, ça va prendre énormément de temps à réaliser. Alors, je compte vraiment sur vous pour être là, voilà, pour être présent, pour liker le maximum. Et moi, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios.